Comment arrêter le chemsex? Ou en tout cas le faire moins souvent. Quel que soit le ou les produits que tu consommes, reprendre une vie normale après le chemsex, c'est un chemin difficile. Et je parle d'expérience parce que j'étais moi-même accro pendant 10 ans à cette pratique. Je te renvoie vers cette vidéo où je t'explique tout mon parcours. Ou même vers mon livre Addiction Escape Game que tu pourras trouver en suivant le lien qui est en description. Dans cette vidéo, je vais te donner une méthode à suivre pour pouvoir arrêter cette pratique, ou en tout cas à reprendre le contrôle si tu l'as perdu. Mais avant ça, abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me libérer de mon addiction. Allez, c'est parti, on commence. Prends un carnet et de quoi écrire et réponds à toutes les questions que je vais te poser. La méthode que je vais utiliser ici dans la vidéo, c'est aussi celle que j'utilise en coaching. Le tout premier point qu'on va aborder, c'est les raisons qui te poussent à arrêter. C'est primordial de commencer par là. La première question que je vais te poser pour ça, c'est: quelles sont les conséquences négatives de ta consommation? Je vais y répondre, moi. Les conséquences négatives de ma consommation, c'est que j'avais des psychoses toxiques terribles. Et ça, ça m'a emmené vraiment très très loin. D'ailleurs, il y a une vidéo où je parle de ces psychoses toxiques. L'autre conséquence négative, c'est que ça m'a éloigné de mon partenaire qui, lui, consommait pas du tout. Au fur et à mesure, notre relation s'est dégradée et c'était vraiment très compliqué. Je te le dis, c'est un miracle qu'on soit encore ensemble. Et enfin, j'avais aussi des problèmes physiques assez importants. J'avais des fatigues énormes lorsque j'arrêtais de consommer. Comme je dormais pas pendant plusieurs jours de suite, ça se voyait sur ma tronche. Parfois, quand je ratais le slam, j'avais des marques terribles sur les bras. Ma digestion aussi était assez mauvaise, je m'alimentais pas bien, enfin... Il y avait tout un tas d'effets néfastes sur ma santé. Donc ici, l'important, c'est que tu listes un maximum de conséquences négatives de ta consommation et de ta pratique. La deuxième question auquel je te demande de répondre par rapport à cette thématique, est-ce que ta pratique t'a empêché de réaliser un objectif? Ça, j'en ai pas parlé, moi, dans mes conséquences négatives. En tout cas, au niveau de mon travail, ça m'a pas mal handicapé. Je jouais beaucoup sur scène à ce moment-là, et j'arrivais au théâtre complètement crevé, et c'était compliqué de jouer la pièce correctement. J'avais une élocution très très mauvaise, je parlais beaucoup trop vite, et pour mes partenaire, c'était pas du tout un cadeau. Donc ça m'a créé quand même pas mal de problèmes au niveau professionnel. J'ai pas pu aller au bout de certains projets. Donc je te pose la question, est-ce que ça t'a empêché de réaliser un certain projet, un rêve que tu as? Alors qu'est-ce que c'est pour toi? Vas-y, note la réponse à cette question. On va passer au deuxième point le plus important, les objectifs. On va d'abord fixer un objectif simple à propos du chemsex. Après combien de jours sobres, tu considérais que ce serait déjà une première victoire pour toi? Ça peut être simplement 3 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 21 jours. L'idée, c'est de déjà faire un petit pas vers la sobriété, quelque chose qui soit déjà un peu plus compliqué que ce que tu peux faire pour le moment. Parce que c'est pas nécessaire de se mettre un trop gros objectif, genre « je consommerai plus jamais de ma vie ». Ça, ça sert à rien. Parce que l'idée pour une addiction, c'est premièrement de prendre un jour à la fois, et ensuite de se mettre des petits objectifs, des petits jalons qui vont permettre de gagner un peu de confiance. Donc c'est quoi ton premier objectif d'abstinence? Ça, c'était l'objectif au niveau du chemsex. Maintenant, de l'autre côté, on va te créer un objectif qui t'emmène vers la réalisation de ton désir. Bah ici, comme ta pratique t'a empêché de faire quelque chose, de réaliser un rêve, ou alors peut-être même de faire quelque chose au niveau de ton travail, je te propose de choisir une chose précise que tu veux réaliser. Ça peut être écrire un livre, ça peut être partir en voyage, ça peut être n'importe quoi, c'est ta réponse, c'est ça, quelque chose qui va te motiver. Donc choisis vraiment quel va être cet objectif final. Le troisième thème important dans cette méthode, c'est la notion d'engagement. L'idée, c'est comme tu pourras trouver dans mon guide gratuit qui se trouve sur mon site goodbyedépendance.com, c'est de travailler sur ton engagement. Plus tu vas respecter tes engagements, et plus ce sera facile de respecter tes engagements. N'importe quel engagement que je prends et que je respecte va me permettre de m'habituer à me respecter. Et ça, ça va nous aider parce que, au fur et à mesure, ce sera plus facile, lorsque je décide de rester sobre, de le rester. Donc ici, par rapport à cette notion d'engagement, c'est comment est-ce que toi, tu vas prendre un engagement, voir que tu l'as pris, et ensuite vérifier que tu l'as respecté. Il y a des personnes que j'accompagne en coaching qui choisissent par exemple d'utiliser des post-it. Ils notent leur engagement sur un post-it, ils le mettent sur la porte de sortie de leur appartement, comme ça c'est sûr, ils peuvent pas le rater. Et une fois qu'ils ont respecté cet engagement-là, ils prennent le post-it, ils le mettent à la poubelle, et ils notent dans leur agenda qu'ils ont respecté l'engagement qui était noté. C'est super important, parce que plus je vais voir que je me suis respecté, plus ça va me donner de la confiance. Donc voilà, quelle est ta méthode à toi de prendre un engagement, de voir qu'il a été pris, et ensuite de vérifier qu'il a été respecté. Le quatrième point de cette méthode, c'est les routines quotidiennes. Bon là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. On va commencer par le chemsex. T'as ton premier objectif qui est de rester sobre pendant un certain nombre de jours. Quelle va être ta routine quotidienne pour
t'engager à rester sobre et à vérifier que tu l'es resté. Comme je t'ai dit dans le point avant, tu utilises ce que tu veux. L'important, c'est de le faire tous les jours. Je vais te donner un autre outil que moi j'utilisais. C'est l'application I Am Sober. C'était une application géniale parce qu'elle me permet de traquer jour après jour combien de temps je suis resté sobre. Et elle permet aussi, chaque jour, de me mettre une petite notification sur mon téléphone qui me pose la question, est-ce que je m'engage à rester sobre? Et puis le soir, j'ai une autre notification et l'application me demande, est-ce que je suis resté sobre? C'est assez simple, moi ça m'a beaucoup aidé. Et de l'autre côté, par rapport à ton objectif principal qui est la réalisation de ton rêve, par exemple un voyage ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu vas faire tous les jours comme petit pas pour te rapprocher de cet objectif? On va prendre l'exemple d'écrire un livre. Si ton objectif c'est écrire un livre, bah, peut-être que ton engagement c'est chaque jour j'écris une seule page. Ou si ton objectif c'est d'apprendre la guitare, bah, tous les jours pendant 5 minutes je joue de la guitare. Si tu veux, sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de la création d'habitudes. Va la voir. Il y a juste une chose, c'est que si à un moment donné, tu respectes pas un de tes engagements, il y a une seule chose à faire. C'est te poser la question, comment j'améliore mon système pour que la prochaine fois, je le respecte. C'est primordial. Si tu fais ça, bah, à chaque fois, tu vas améliorer ton système et tu vas aussi améliorer ta confiance. Donc forcément, au bout d'un moment, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est vraiment la base de la méthode. Maintenant, il y a encore autre chose sur lequel je voudrais attirer ton attention. C'est l'anticipation. C'est important pour deux choses. Premièrement, c'est la notion de craving. Le craving, c'est les envies irrépressibles de consommer. Donc ça veut dire que l'émotion monte, 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 et au bout d'un moment, ton corps agit tout seul, quoi. L'autre chose, ce sont tous les déclencheurs qui vont emmener vers le craving aussi. Bon, premièrement, on va porter l'attention sur les déclencheurs. Je vais te donner des exemples de ma propre histoire. Moi, les déclencheurs de ma consommation, c'était, premièrement, une envie sexuelle. Ça me donnait tout de suite envie de chemsex et envie de consommer des drogues. Un autre déclencheur, simple, hein, c'est la lumière qu'il y a dans mon salon en haut, ici. Quand je voyais cette lumière, ça me donnait envie de consommer parce que ça me rappelait les plans que je faisais là. Bah, un autre déclencheur pour moi, c'est d'être seul à la maison. Parce que d'une part, la voie est libre, et d'autre part, parce que je me sens seul, j'ai envie de combler le vide. Donc là, il y a tout un tas de déclencheurs, et ça peut être différent pour tout le monde. Donc, c'est juste te poser la question, quels sont les déclencheurs de ma consommation? Bah, une fois que tu as listé ça, peut-être tu vas pas tout trouver. Ça, c'est au fur et à mesure de l'expérience, à force de rester sobre, tu vas comprendre quels sont les autres déclencheurs. L'important, c'est juste de se poser la question à chaque fois. Comment ça se fait que là, j'ai eu envie? L'autre point à anticiper, c'est les cravings, donc les envies irrépressibles de consommer. C'est sûr, il va y en avoir, tu vas en ressentir, donc c'est important de savoir à l'avance ce que tu vas faire dans ce cas-là. Est-ce que tu vas utiliser une technique de respiration particulière? Est-ce que tu vas méditer? Est-ce que tu vas sortir pour marcher un peu? C'est à toi de trouver ce qui te convient. Mais de grâce, pose-toi la question avant que ça arrive. Parce qu'une fois que ça va arriver, là, ton cerveau sera en mode négociation, tu vas avoir des émotions très très fortes. C'est important d'avoir quelque chose déjà de prévu à l'avance. Et si ça fonctionne pas, bah tu changes ta technique, c'est tout, hein. C'est ça, la clé, c'est que quoi qu'il arrive, la question est toujours comment j'améliore mon système pour m'aider à rester sobre. Voilà, cette méthode c'est déjà un bon départ, mais évidemment, c'est peut-être bien de pas rester seul dans ce chemin de rétablissement. C'est important d'avoir du soutien. Donc, je ne peux que te conseiller d'aller voir des groupes comme les Alcooliques Anonymes, les Narcotiques Anonymes, ou d'autres groupes de parole, de groupes de soutien, parce qu'ils existent et il y en a forcément un près de chez toi. Une autre forme de soutien, c'est d'aller voir aussi un professionnel de la santé et de lui parler de ce qui t'arrive. Et une autre forme de soutien, c'est de demander de l'aide à un coach, comme moi. J'ai été formé au coaching de vie, à l'addictologie, et je peux t'aider dans ton chemin de rétablissement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, alors je te dis à la prochaine, salut!